Bonsoir à tous. Nous sommes tous réunis ce soir pour célébrer l'avant-première du film « Une année chez les Français ». C'est un moment où nous partageons notre passion pour le cinéma et l'art. Je veux vous rappeler que nous avons célébré le premier film du film « Sana عند الفرنسيون ». Adapté du roman de Fouad Laroui, ce film nous plonge dans l'histoire des jeunes des années 60. Le réalisateur Abdelftah Harroum met en scène le petit Mehdi de 10 ans, parachuté dans le monde des Français et la complexité de leur culture, lui qui vient d'un petit village de Bnimlal. Nous sommes très fiers et heureux de vous présenter ce soir le fruit de ce travail acharné. Je vous invite d'ailleurs à applaudir notre réalisateur Abdelftah Harroum et l'écrivain Fouad Laroui. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. C'est Fouad. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Ça fait un moment qu'on attend ce jour. Malheureusement, le Covid nous a bloqué de distribuer ce film en 2019. Aujourd'hui, on a attendu, avec Sifo Ed, on a attendu notre tour. Pour ce, je remercie énormément les chefs Negarama. Je remercie tous les gens qui ont travaillé sur ce film. Et en particulier, je remercie Sifo Adlaoui qui m'a fait confiance pour adapter ce roman, ce bonbon. C'est un bonbon, franchement. Il a été sélectionné pour le prix Goncourt. Franchement, cette séance, cette présentation ne pourra jamais voir le jour sans un grand monsieur Mohamed Karat qui n'est pas avec nous aujourd'hui, il est en tournage. Donc je remercie vraiment mes amis français, Marc, Antoine et Jérémy. Je vois. Jérémy, il est là. Donc le communiste. Il a mis le communiste dans le roman. Et avec la participation exceptionnelle de M. Rachid Ouali. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une très grande personnalité qui vient nous rejoindre. Celui qui maîtrise parfaitement le sel et le poivre. Merci, Cheikh Mohamed. Et je passe la parole à Sifo Adlaoui pour parler un petit peu. Pendant ces nuits d'écriture à Amsterdam et à Paris. Parce qu'une fois j'ai mangé chez lui il y a quelques mois, au bord de l'eau, de la piscine, et je fais de la publicité en espérant qu'il va m'inviter demain. Et c'était super chez moi, c'était très bon. Tu m'as posé une question Non, tu m'as dit pourquoi le communiste, j'ai dit, je l'ai trouvé dans le livre. Merci, Ftah. Alors, merci à tous d'être venus. Donc effectivement, j'ai écrit ce roman qui s'appelle Une année chez les Français. C'est un roman, parce qu'à chaque fois les gens disent oui, mais en fait toi tu n'étais jamais à Bnimlal, tu étais à Jdida, tu n'étais pas ceci. C'est un roman. Et après, ce que le scénariste et ce que le réalisateur, le chef op, toute l'équipe font d'un roman, soyons clairs, c'est un film. Il y a un roman, il y a un film, et je suis très heureux que ce livre, que ce roman ait inspiré un film. Donc ce soir, oublions le roman et regardons un beau film. Ouais, bravo. Merci. Je tiens à remercier également les acteurs présents avec nous ce soir, en particulier M. Jérémy Banster, le directeur artistique du film, et aussi dans le rôle de M. Berger, Saif Arroum dans le rôle de Mehdi, Antoine Chignard dans le rôle de Denis Berger, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Merci, mademoiselle. Alors, vous allez voir, je suis le seul qui n'a pas grandi dans le film. Que ce soit bien clair, ces deux-là, si vous les reconnaissez à la fin du film, je vous invite tous chez Fatah à venir boire un verre. Non, mais vous verrez, je suis très heureux que... Déjà, un grand merci à Fouad, parce que Fouad, je me souviens d'une certaine rencontre avec Delphine de la Panaterie à Paris,
où nous avions discuté de ton fabuleux roman avec Ftah, et on s'était dit que ce serait merveilleux un jour d'en faire un film, et bravo, ça a vu le jour. C'est un plaisir d'être ici ce soir et d'être tous ensemble. Moi, je vais laisser la parole à ces deux jeunes gens qui ont deux rôles très importants dans le film et qui, pour qui c'est une... Moi, j'ai un peu l'habitude de faire ça, mais eux, non. Donc vous allez vous... Antoine, souris. T'inquiète, tu vois, ça va bien se passer. C'est le premier. La première fois, c'est toujours un peu délicat, mais après, tu verras, on s'habitue et on y prend goût même. Tu vois. Pense au football, comme ça. Tu veux nous dire un petit mot de ton expérience, de cette expérience? Personnellement, moi, j'ai vécu une bonne expérience. C'était ma première fois sur un film. J'incarne le rôle de Denis Berger, le meilleur ami de Saïf. Personnellement, moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. Ouais, je fais un grand plaisir à réaliser ce film. Et moi, vraiment, plein de plaisir et plein de bonnes choses. Bravo. Saïf, là, ton micro. Moi, c'était ma première vraie expérience cinématographique, j'ai adoré. C'est la première fois que je travaille avec une vraie équipe, avec de vrais comédiens aussi. C'était une chouette expérience. Hein. Je remercie pas mal de personnes qui m'ont aidé, hein, notamment mon père et Jérémy sur ce film, parce que c'était assez très nouveau pour moi. Et dans le rôle de Mehdi, du coup, ce petit garçon, toujours petit. J'ai pas grand chose non plus à dire, hein, juste je voudrais aussi surtout remercier mon père qui m'a offert ce beau cadeau. Merci à tous. Et maintenant j'ai le plaisir d'inviter Monsieur Rachid Louali dans le rôle du père de Mehdi, et Rachida Arom dans le rôle de la maman de Mehdi. مساء الخير. انا عيط لي فتاح، عيط لي جيريمي، قال لي اجي دير واحد الفيلم. دوم شحال غنتخلص؟ وي ما تخلص حيت غادي عندك نهار ولا نص نهار. قلت لهم لا سمحوا لي. مشيت وشويه نرجع ونقول مش غنلعب بعدا. قال لي باين فؤاد العروي ملي كان صغير. قلت لهم جاكسبت. ودوكا نو انا فرحان. علاش؟ لانه سانسيرمون الناس بزاف كيف يقولوا كيف يقولوا السينما ولا ما عطيتهمش الدعم ما يديروش فيلم واخا يديروا ياخذوا 7 ديال المرات 10 المرات في حياتهم الفلوس مع ان المركز السينمائي المغربي عمرهم ما يديروا يديهم جيبهم ويصرفوا ريال على شي فيلم وعلى السينما كيقولوا كيحبوا هذا جا مع عالم واحد اخر كيبغي السينما جبد فلوسه رزق وليداته الله يزيدو ودار فيلم كيبغاه مشغول حتى شي واحد ما خصنا غير نصفقوا عليه براو. Et Marc, là, ouais, bah oui. le grand recteur, le grand professeur, le grand... Maintenant, c'est à toi de nous dire quelques mots. Comment t'as trouvé lycée Hassan II à la place de lycée Lyautey? D'abord, merhaba bikoum. Kulchi bihir. Ah, mleh, alors, voilà. Alhamdoulilah. Voilà, donc quelques mots en arabe pour vous faire plaisir, parce que j'ai l'habitude de venir travailler ici au Maroc avec Jérémy, avec Rachid, et là aujourd'hui avec Fatah. Voilà. Et bah, c'est un très beau rôle que Fouad a écrit avec une minutie particulière et un humour tout en délicatesse, vous allez le découvrir. Et puis surtout toute cette équipe, les jeunes là, qui étaient là avec beaucoup de talent et beaucoup de courage, parce qu'on a fait quand même 50 degrés plus les projecteurs. 55 degrés plus les projecteurs, vous pouvez applaudir. 55 degrés, dans le salon cheminée allumée, Jérémy entouré par ses enfants, et chaque minute, il faut essuyer, il faut remarquer. 57 degrés. Ouais. À Marrakech, au mois d'août, avec cheminée, donc... avec Zaïf dans le bureau, ça compte. Sinon, il faut que tous les enfants qui ont, ou tous les gens, enfin... hommes ou femmes qui ont participé au film, j'aimerais bien qu'ils viennent nous rejoindre pour... Exactement, à cette occasion, nous prenons l'occasion pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce film. Donc, je vous invite à prendre un instant pour applaudir chaleureusement les techniciens, les acteurs et l'équipe de production du film, et je vous invite à monter sur scène. Donc, je vous laisse prendre une photo de groupe.
Sami. Et prendre une photo de groupe. Rachid, comme la femme de Rachid. Exactement, c'est pour ça que je l'ai appelé. Rachid. Voilà, c'est monsieur Mohamed. Bravo. Bravo. Merci à tous. Je vous invite à rejoindre vos sièges afin de vous de commencer la projection. Merci. Thank you.